aujourd'hui, nous allons découvrir les maquettes de travail et le labo-train du Régio de Zen. Bombardier a souhaité réinventer le train à deux niveaux pour répondre aux besoins spécifiques des régions et de la SNCF en termes de capacité de transport et surtout en termes de confort pour les passagers. Et nous avons donc créé le premier train au monde, la première plateforme qui est articulée et qui alterne à la fois des véhicules un niveau et deux niveaux. Nous sommes ici dans le bâtiment qu'on considère un petit peu comme le laboratoire de Régio de Zen. Simuler des équipements complets. On va avoir une présentation d'un scénario de marche dynamique. L'innovation chez Bombardier doit être faite pour permettre à la SNCF et aux clients plus d'attractivité et plus d'économie. Nous voulons continuer de faire ces investissements qui sont des investissements utiles pour l'industrie, pour l'emploi, pour la recherche, pour l'innovation. L'image du TER, grâce à l'investissement considérable des régions qui a été rappelé, est devenue moderne. Le TER, c'est un outil d'aménagement du territoire, c'est un outil au service des concitoyens. Et ce qu'il faut toujours, c'est voir comment on traduit l'innovation en avantage passager ou en avantage opérateur ou en avantage mainteneur.